Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur EU4 et pourquoi ça peut être intéressant quand on a 3-4 technologies de retard d'aller s'empaler avec 30 000 hommes sur 20 000 hommes en sachant délibérément qu'on va avoir une défaite et une déroute derrière. Et bien, quand vous jouez comme moi le jeu économique, hein, vous l'avez vu, hein, il n'y a pas une partie où je joue pas l'économie. C'est la base de ma game, hein, et après je m'en fiche 4 technos de retard, on attaque. Eh bien, même si vous prenez 14 de lassitude de guerre, votre ennemi, lui, va prendre 0,4. Et ces 0,4, lui, il ne va pas les enlever pendant la guerre. Jamais je n'ai vu l'intelligence artificielle payer pour faire baisser la lassitude de guerre. Et heureusement, parce que sinon les guerres seraient impossibles à gagner la plupart du temps. Et donc, créer un petit peu de lassitude de guerre crée aussi une volonté de céder. Une volonté de céder, ça va favoriser la victoire, tout simplement. Faire des pertes, même si elles sont insignifiantes, 3-4 000 hommes sur une troupe de 20 000, eh ben c'est insignifiant pour lui, il va vite les régénérer, mais en régénérant, eh ben, il va prendre de la lassitude de guerre. Et puis ça lui fait quand même un petit peu moins de réserves. Et quand nous, on a plein de réserves comme ici et plein de pognon comme là, parce que j'ai pris combien d'emprunts, hein? Je suis à combien là de. J'ai pas d'emprunt, je vais en prendre. Je vais en faire à nouveau pour payer des trucs. Voilà, j'ai remboursé mes emprunts à toute vitesse. Hein. Et puis voilà, bah c'est la fête du coup. Bon. Et bon, on va rattaquer Warzangali. Mais j'hésite quand même à attaquer Yémen et à cocher Warzangali. Parce qu'en fait, le concept, il est là. Ça pourrait peut-être plus intéressant de faire ça. Oh! La bonne nouvelle. Tu crois pas si bien dire, dis donc. T'es un peu sur mon chemin, c'est parfait. Donc il va être trop content. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je t'ai dit de faire ça. C'est possible, c'est possible. Bon, là, on est en place. Donc, le Yémen, il va trépasser. Hein. Si j'attaque le Yémen, il y a la Makouri dedans, c'est ça? La Makouri, c'est une petite terre ici. C'est ça. C'est ça et ça. Mais au total, on a 30 000 hommes, hein, quand même. Si j'attaque Warzangali, on a 27. Si j'attaque le Yémen, on a la Makouri, ce qui fait 30. Franchement, on s'en tape des 3 000 hommes de la Makouri. D'autant plus que j'aurais pas accès. Mais que si j'obtiens un CD, une ouverture, je peux y aller. Parce que j'ai accès aux frontières, donc il suffirait qu'on m'autorise. Je pense que je vais attaquer le Yémen et comme ça, ben, ça sera la fête. Parce que l'idée, c'est quand même d'aller choper des trucs là, quoi. Des trucs là, et puis de remonter. Là et là, le long des côtes, hein. Toc, toc, toc. Attention, c'est en septembre, les guerres. Hein. Oh là, non, non, attends. On légitimise pas. Ah bah ça y est, ça, on a la vue là. Sur la Lodi. Go. Go la Lodi. Alors le Mamelouk, ça donne quoi finalement? Plus 43, opinion, il n'y en a pas. C'est septembre, hein, donc bah, je me dépêche hein, finalement d'y aller. Donc l'idée c'est de sortir de la guerre lui très vite, puis d'aller sortir la Makouri là-bas. Toi tu vas venir récupérer ta truc. Hein. Sinon on fera ça après la guerre. Si tu le fais pas tout seul, bah, si, il y va. Attention. C'est quand? Octobre. Antemoro qui devient de plus en plus légitime. Majertine, j'ai lancé l'annexion. Kaffa, je lance pas l'annexion. Techno 9. Antemoro, on fera l'annexion quand on aura passé ça, je pense. Ça va nous faire plein de terres sunnites. Ça monte pas vite, ça. Hein. Kellyman. On va essayer de faire mieux. Hein. Ils sont là.
Alors, Sofala, moins 1. Keliman, moins. En gauche, moins. Mozambique, moins 3, donc c'est moins bien. Moins, non, on peut rien faire de mieux que Sofala. 4,9, c'est déjà ça. Je pourrais peut-être accentuer, en fait. Ouais, voilà. Ça va accélérer. Proposition d'alliance de la part de Funge, donc un tout petit pays là. Y a pas mieux comme alliance dans le coup. Mara, Alodi, Bénin, Oman, Médine, Fars, Timouride. J'ai envoyé promener mon bonhomme. Nom de Dieu. Pas de koa, pas de koa, pas de koa. Parce que là, ils peuvent presque. Hein. Presque. Les autres, ils ont rien. Ils me voyaient pas, ils me voyaient pas. Hein. Lui, il en a moins 13 quand même. Hein. Donc là, là, on va prendre cher. Moins 45. Ah, il peut pas y aller, lui. Donc on est bon. On en a 2, 3. 4 qui peuvent y aller. Lui, il peut pas. Mais il pourra bientôt. Donc, ils seront 5. Moins 1 parce qu'on va manger lui. Et j'espère qu'on va manger lui aussi. Parce que l'idée, c'est de prendre la Macourie en entier. Hadramout. Yémen un peu. Et lui en entier. Donc, d'en prendre 3 en entier. Le problème, c'est qu'il va falloir voir les conséquences sur le Mamelouk. Donc, Yémen, on pourra peut-être. Finalement, ça sera peut-être celui sur lequel on sera plus restreint. Deux, un, c'est la guerre. Warzangali, je coche Yémen, hein, on est d'accord, et ça entraîne la Macourie. Et je coche Hadramout, ce qui entraîne pas les Mamelouks. Ils ont 2000 de dettes, ils iront pas. Hein. Donc je coche vraiment tout le monde en fait, sauf la Macourie. C'est vraiment une grosse, grosse guerre de conquête, là. Elle est tellement grosse que j'ai pas envie de riper mon coup. On recommence, hein. Ouais, je sais, mais... voilà. J'y vais au Merco. 22-0. C'est mieux que le 36-2, parce que au niveau du dépassement, on avait vu que ça piquait très fort la dernière fois. Ouh, c'est long. C'est loin. Et c'est la vie. Mago, qu'est-ce que vous attendez là? Là, on a gagné. De toute façon, on bouge pas de là, nous. Hein. Ils oseront pas venir. Hein. Ils vont pas oser venir. Hein. Ils vont clairement pas oser venir. Mais alors du coup, ce qui est marrant, c'est que je gagne autant d'argent que ça. Parce qu'il a pas popé l'autre. T'arrives dans combien de temps? Et t'arrives où déjà? On prend pas de risque. Hein. Par contre, c'est qui ça? Ça c'est Mara, et Mara est en train de mourir. Mais je suis pas en guerre contre Mara, donc tout va bien. Ok. En même temps, ça c'est l'Éthiopie, ça. Yémen, il va grossir, grave de grave. Hein. Ah là, les 22 000 là d'un coup. Ça fait peur, hein. Et là, je peux pas quitter. Hein. Il faut surtout pas bouger, on pourra jamais revenir. Oui, vas-y, tu peux y aller. Timouride, on peut se marier, ça me dérange pas.
Je suis en positif. Comment c'est possible? J'ai tant que ça, 10 000 de force. Waouh! Excellent. C'est pas possible. Je gagne 19 par mois. Oh là là, je suis tellement riche. Ah, il y a un petit coup de butin de guerre. Ouais, bah du coup, on va rembourser notre emprunt. Il était quasiment pas utile. Il était peut-être même pas utile. Si ce n'est pour me permettre de voir ce que je pouvais prendre. C'est combien là? C'est 3. On va faire notre propre truc là. Hop là. Parce qu'on va quand même avancer pour mettre un peu la pression. Hop là. Ah, attention à Kafa. Lui, il a une techno supérieure aux autres. C'est un peu leur bête noire. Hein. Kafa, il leur fait peur. Brèche dans les murs alors que le mec, il est pas là, quoi. Excellent. Vas-y, rejoins là-bas. Ah, il s'en va. Oh, c'est tellement bon signe. Regardez, regardez, regardez. Dommage, dommage, dommage pour nous. Dommage pour nous parce que je suis en attaque là. Et il n'y a pas. Oh, on gagne en attaque! Oh là 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 là. La techno, c'est plus ce que c'était. Hein. On n'a plus autant d'écart. Ou alors c'est Adramout. Il est mauvais, Adramout. Il est neuf. Il fait des jets de dés de porc. C'est scandaleux. Moi, je serais l'autre, je réclame un remboursement. Alors, on va essayer d'aller aider l'Éthiopie au passage. Hein. Parce que j'aimerais bien que l'Éthiopie meure pas. Après, elle m'en veut à mort. Si elle pouvait mourir, finalement. Ouais, j'ai changé d'avis. Il n'y a qu'à crever. Très bien. Alors là, par contre, il y a un truc à faire tout de suite. Parce que ça nous soulagerait, en fait, énormément. C'est d'aller de l'autre côté. Et de prendre, et d'aller sur la capitale. On va prendre ça, puis après on va aller sur la capitale et on va essayer de la tenir. Oui, il est en train d'attaquer un fort, ça me va. Eh ben écoute, on va venir sur toi parce que 6000 contre 22, plus ça doit être un bon général. Pas tellement, non. Ok. On va essayer de pas trop se disperser parce que notre but là maintenant c'est lui. On veut les sortir un par un de la guerre. Et pour ça, il faut d'abord en affaiblir plusieurs. Muka. Ça y est, on va faire le café. Énorme production de café à cet endroit-là. Ouais. Je vais rester là quand même. Parce que si on est sur un fort, s'il me tombe dessus, c'est la fin du début. De la fin. On va inverser les rôles. Voilà. Parce que toi, tu t'es pris quand même 2-3 baves, j'imagine. C'était 15 000 hommes tout à l'heure, donc autant que tu régènes. Voilà, 22. 22 pour faire courir. L'idée, c'est d'aller là-bas. Très bien. Excellent. Ils ont pris des trucs là-bas sur. Par contre, on n'est pas assez là. Hein. 22 contre 18, ça marchera pas. Mais lui, il s'est bien remis avec son général 2 étoiles. Kafa, c'est. Il rigole pas, Kafa. On va plutôt aller soutenir Kafa, du coup. Faut traîner dans le coin, faut les faire courir. Oh, il y en a qui s'est séparé des autres. Moins 57, c'est dommage. Mais là, on va bientôt valider. On va pouvoir déplacer le général. On a 1000 hommes, là, qui nous attendent. Pour aller là-bas. Hop là. On rejoint et le général, lui par contre, il y va tout de suite. Téléportation de général. Bah, l'argent, écoutez, il coule à flot. Hein. Je sais pas quoi dire. C'est pas ma faute. Je suis pour rien. En fait, la vérité, c'est que pas du tout. J'ai investi énormément de points admin au début de la game pour me retrouver maintenant face aux Mamelouks
Alors j'ai pris du retard techno, mais je suis en train de le remonter. Mais me retrouver face au Mamelouk avec 30, 40 de revenus, un bénéfice de 30 par mois et 550 hommes de régénération mensuelle. Voilà, on n'est pas des rigolos. On n'est pas des rigolos, on arrive au Mamelouk, on est à Amagal. C'est lui qui tremble, c'est pas nous. Si je me compare au Mamelouk, militaire, armée nationale, Mamelouk, il a 42 000 de réserve, 56 000 hommes. Et au niveau de l'argent, Mamelouk. Voilà. Vous voyez, on gagne deux fois plus que. On a 26 ici et là 28. On gagne 54. Et lui, il gagne 55. Voilà. 55. Et on a vu qu'il avait 56 000 hommes. Et nous, on a combien? Eh ben nous, on a 65 000 hommes possibles. On a autant de réserves. Il n'y a plus que la techno qui nous sépare. On a autant d'argent que lui. On a autant de réserves que lui. On a juste à essayer de l'égaler en techno. Il est tech 9. On est tech 6. Mais on a un vassal tech 9. On est en train de placer tech 7. On aura bientôt les canons. Donc voilà, on n'est pas complètement, complètement à la ramasse et on va être de plus en plus violent. Et en plus, je vais pouvoir faire des troupes par moi-même, hein. Ça va être bientôt fini, les mercenaires. Là, je n'attaque pas là. Clairement pas. T'as cru, mais non. Je ne t'attaque pas à 22 contre 12. C'est la défaite assurée, hein. C'est pas la peine. J'ai encore des technos de retard, hein. Ne soyons pas idiots. Bon, là, les troupes, elles sont là quand même. Elles sont de ce côté-là. Hein. Alors, en même temps, il y a 34, 35 000 de l'autre côté. Hein. C'est bien qu'il y ait 18 000 ici et une autre partie de l'autre côté. Tiens, c'est occupé par Amakuri. Rigolo. Ah, mais c'est trop tard, gars, c'est trop tard. Il va pouvoir rejoindre l'autre, mais ça sera pas pareil. Un maître espion ou du prestige? Du prestige. Oh, et en plus, tu te fais choper par le CAFA. Le Makuri s'est chopé par CAFA pendant que le Warzangali se fait choper par moi. Enfin, mon mercenaire. Et Major Tin qui va faire le taf, hein. Il prend des troupes. Et c'est une double victoire, plus une prise de terre. On va maintenant se diriger sur la Makuri, sa capitale. Protectionniste de mercantilisme, ouais, avec plaisir. M'en fiche de ma légitimité. Voilà. Oh là, amigo! Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je vais rester là, je vais essayer des. Non, je jette pas l'Éthiopie. Si je viens là, toi, tu viens m'aider? Ouais, mais je me mets en situation de paumé là. Par contre, t'as les 4 000 qui ont pas de morale. Il y a quand même moyen de se les faire, à mon avis. Hein. Vont à Agyu. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bête. Moins 35. La brèche dans les murs, elle est bienvenue. Très bien. Lui, il aide le. On est en train d'aider l'Éthiopien quand même. Et hop, deuxième baffe sur le Makourien. Et lui, oh, Stackwipe. Il peut pas. Si, il peut revenir lui. Et les 10 000 qui sont là, bah en fait, ils sont isolés maintenant. Parce que du coup, on a 27 000, mais donc 10 000 seulement ici. Et donc là, bah, les 17 000 qui sont là, osent pas venir m'embêter. Et les 10 000, maintenant qu'on a les 7 000 avec nous, eh ben, ils vont faire le taf. Tout a été pris de ce côté-là. On doit maintenant. Oh, on a un territoire qui a été vu. Oui, en même temps, il était à côté de nous. Il n'y a pas de raison qu'on ne le voie pas. On va aller là-bas. Je pense qu'on va être soutenu. Ils vont venir d'abord libérer ces deux-là. C'est une guerre qui se passe. Nickel. En plus, on se fait un fric de monstre. Voilà. Hein, Bayouda 28? Elle est bien ta ville?
Je la veux bien. Quand je vais filer ça à Kafa, il va être trop content. Bon, alors là, toi, ah bah ça y est, lui il est en train de devenir fidèle. Kafa, je vais déroter le commerce. Ça sert à rien autant qu'il se fasse du fric. C'est là en plus, il gagne pas d'argent. Ouais, bah conquête d'Alodi. Attends, je peux te donner les terres, c'est bon. Son Alodi, ça sera la prochaine à y passer. Après, elle doit pas être mauvaise avec un truc à 28. Allez, agitation dans le pays, moins 2, je ne prends pas. Hein. Tolérance envers les hérésies, plus 2, je ne prends pas. Année séparatisme, moins 10, j'aimerais bien le prendre, mais ça sera pour plus tard. Tout ça va tellement nous aider. Tout va tellement nous aider. Amélioration des relations et tolérance envers le paganisme. Coup des doctrines, moins 10. C'est l'un des meilleurs trucs à prendre en premier, hein, le coup des doctrines, moins 10, au final. On va retourner aider notre. Améliorer nos relations avec. Lui. Je peux me marier avec le Mamelouk? Ouais, mais non, parce que le Mamelouk. je vais t'attaquer, en fait, en vrai. Hein. J'aimerais bien avoir une alliance avec toi et te dire je te fais en dernier. Mais en fait, j'ai plus d'intérêt à te faire en premier qu'en dernier. Ça, non. Ah non, allez, même si on perd. Il faut tenter le coup. En plus, l'autre vient m'aider. Excellent. Comment ça se passe? Ça se passe assez mal et c'était prévisible. Mais non, ça va bien se passer. Par contre, ça, c'est pas très sympa, Kafa. J'aurais apprécié un petit coup de main au dernier moment. On va peut-être la perdre. Eh ben, on l'a gagné. Et du coup, c'est tout bénef pour nous parce que lui, il va être obligé de repasser là. Ça, c'est moins bénef, par contre. Parce que très clairement, il va repasser de l'autre côté. Est-ce que je les laisse aller faire la Makuri? Je veux quand même aller explorer un petit peu. Oh! Le retour du... Ah bon, on a eu de la chance, là. Un petit coup de main serait pas de trop, là. D'accord. Je vais m'en sortir tout seul, pas de souci. D'accord, on oublie. Chacun pour soi. Vous avez raison. Ok, mais c'est pas grave. Bon, je vais aller m'occuper d'eux. C'est des séparatistes éthiopiens, donc il faut que je m'en occupe. Ah bah ils vont se réfugier ici, bah oui, il a des terres lui. Il peut se refaire ici. Et moi je vais où? Je vais à Mogadiscio. Bon, c'est pas à la porte d'à côté non plus. Hein. Prenez la capitale, prenez-la, prenez-la. Franchement, laissez faire tout ça ici. Ils peuvent tout reprendre s'ils veulent. Ça les occupe. Pendant ce temps-là, moi je vais me refaire une santé. Et je vais aller m'occuper d'Adramout. Warzangali, on en est où? Est-ce que maintenant tu veux te faire annexer? Voilà. T'es pas tout à fait d'accord. 141, 129. Oui, t'es loin d'être d'accord pour le moment. Va falloir se battre encore un peu. Et une techno-militaire de plus. Ça va être tellement bon de se faire des canons. Il me faut des canons tout de suite. Mais tellement tout de suite en fait. Il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que le tout de suite qui compte là. Tout ça parce que j'ai pas choisi mon type de canon, c'est ça? Du coup, t'es énervé. Ça y est, je peux les faire maintenant. Pour en faire 10. Hein. J'ai quand même ma troupe là qui va revenir bientôt. Sceptique, coup des doctrines moins 5%. Tu pouvais pas le dire juste avant? Non? Sérieux? Ah bah non, je l'ai pas pris la doctrine, j'ai pris une techno. Exact. Alors à propos, on a quoi là? Modif d'impôt, probabilité d'avoir un héritier, coup d'attaque militaire, réputation diplomatique, durée de voyage des émissaires, c'est tout pourri. Non, le modif d'impôt c'est bien, mais on compte pas plus dessus que ça, quoi. Alors là, faut faire attention, il y a 17 000 hommes dans le coin. Donc faut être prudent. Non, mais ils reprennent leur truc, y a pas de souci, hein.
Moi, j'ai mon bonhomme là qui prend ça. Ils sont en train de se battre en même temps. Ah non, ils ont fait leur guerre contre l'Éthiopie. Ça y est, elle est finie là. Ah oui. Ah, ils sont de retour. Et l'Éthiopie, de toute façon, c'est un territoire qu'il vaut mieux éviter. Warzangali, je refuse. Là, je me regroupe. Et je vais sûrement enlever de l'infanterie ici. Hein. C'est probable. Donc si je pouvais fusionner à un moment ou un autre. Je voudrais faire un 10-5-5. Hein. Parce que... Ou alors je vais faire un 10-5-5 et puis un autre 10-5-5 peut-être. Hein. Tout simplement parce que j'ai ce qu'il faut pour... Hein. Et comme ça, on pourra supprimer des mercenaires. Ici. Ok. Les canons arrivent. Il n'y a personne là pour m'embêter. Non, c'est que des rebelles. Par contre, les rebelles ont déjà pris presque tout. Il faut que j'aille leur remettre la pression là. Ils sont séparés, ils sont pas hyper nombreux. Je vais leur remettre la pression. Ouais, il faut que j'aille parce que là ils vont vite. Hein. Allez les canons. Là, on va frapper un peu. Moi, je vais aller là parce que j'aime bien voir la visibilité. Le progrès, c'est l'acceptation de tous. Eh ben, tant mieux. Là, il y a 7000 hommes. Ok. Ah, voilà. Ils sont là. Ils sont derrière moi. On se replie. Et on y retourne avec celui-là. Celui-là, il va leur mettre la misère. Il va les faire bouger un peu. Tant qu'ici, on est bon, on est bon. On va faire revenir avec les Mamelouks. Les Mamelouks, on s'entend très bien. Et je vais améliorer mes relations avec mes dépendances, peut-être mes pays alliés plus tard. Ok, on a supprimé l'un des deux rebelles. Lui, il est en train d'en affronter un autre, ça me plaît bien. Là, ils sont beaucoup trop nombreux pour que j'aille les affronter, par contre. Je peux peut-être aller embêter un petit peu les rebelles et reprendre quelque chose. Là, je me replie. Je me replie, mais pas tant que ça. C'est pas tant que ça un repli. Parce que j'arrive, je reviens. Voilà, t'as 14 000 hommes, très bien. Mais quand j'en aurai 43 à côté, tu vas te pousser à nouveau. Je suis quasiment sûr que tu vas te pousser. Est-ce que je peux en choper un? Non, tellement dommage. Est-ce qu'ils sont séparés eux là? Un petit peu quand même. Ouais, mais ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte pour l'instant. On les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Attendez les canons là, parce que pour l'instant, j'ai toujours pas besoin de vous pour l'instant. Ouais, mais ça, c'est des terres qui sont déjà prises. Donc allez-y. On va aller prendre la capitale là-bas vite fait juste après. Très bien, très très bien. Ils font leur truc. Ils se mettent ensemble. Mais là, on est à 49. Ouais, ils prennent des trucs, ça me va. Mes canons viennent d'arriver. Un tout petit peu risqué ce que je suis en train de faire. Mais 10 000 canons sur une capitale, ça peut faire le taf. On va juste essayer d'empêcher que ça circule. Il m'attaque, nom de Dieu!
Repli, 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 repli. Il va venir avec les 13 000 keras, non? Bien sûr qu'il vient avec les 13 000 keras. Hop là. C'est pas grave, on a les deux côtés. Ça a tenu assez longtemps. Ouh, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Je les vois. Je les vois, donc je suis bon. Mince, il y avait un fort ici. Eh ben, c'est pas grave. Du coup, maintenant, c'est nous qui sommes coincés, mais c'est pas grave. Là, il est pas séparé. Là-bas, il y a des troupes. J'aimerais bien les choper. Est-ce que je peux revenir ici? Est-ce qu'il arrête de bouger si je fais ça? Ouais, il arrête de bouger. Donc je fais ça, je vais récupérer la terre qu'il a pris. Perte de ducat et gagne de prestige. Baisse d'autorité et d'autonomie, je m'en fiche. Et instable. Pourquoi tu poses des questions comme ça? Vous voulez instable ou pas trop, trop chaud? Je sais pas. 6 000, qu'est-ce que tu crois que je veux pas venir t'affronter? Je ramène même des renforts au cas où. Parce que je suis pas idiot, je sais que tu peux me tomber dessus avec d'autres gars. Mais de toute façon, à 18 000 contre 6 000, c'est jamais gagné. Hein. Là, ça va aller très vite. Plus vite que ce que tu attendais. On a pris ça. On va maintenant remonter. Oh, on a fait un stack wipe. Hein. Voilà qui est très plaisant. On va bloquer le passage pour pas qu'on puisse se faire attaquer les canons. Et c'est une guerre qui est longue, très longue, mais parce que je veux beaucoup, mais tellement beaucoup de choses. Les fanatiques sunnites sont déjà prêts et les séparatistes Fungi. Ouais, c'est là, les séparatistes Fungi, on peut rien y faire. Ben si, on peut y faire, je suis en train d'aller les récupérer, les trucs. Et ils enlèvent les deux, donc ça devrait aller. Et puis s'ils pètent, on s'en fiche. Là, on va valider, on va bientôt pouvoir commencer à prendre, ici. Puis ici, puis là-bas, parce que là-bas, la capitale a été prise, et lui, il est en train de revenir soutenir. Donc, on pourrait peut-être le sortir de la guerre sans rien lui prendre, lui. C'est combien pour te vassaliser? 73, et l'expansion agressive Mamelouk, elle est de combien? De 0? Ils connaissent pas? Bah écoute, je pense que tu vas y passer. Hein. Le Mamelouk, il sait toujours pas que j'existe. On s'entend bien, mais il sait pas que j'existe. Il voulait bien se marier. Mais c'est toujours pas que j'existe. Et donc, si je fais l'expansion agressive, normalement, il va me prendre quand même, je pense. Hein. Mais voilà, elle est déjà apaisée parce qu'on a, on a déjà des bonus d'expansion agressive grâce au choix que j'ai fait ici. Religieux, amélioration des relations. Ça me fait baisser plus vite mon expansion agressive. On va en avoir d'autres, des cumuls comme ça pour faire baisser vite. Et après, au moment où on va l'attaquer, de toute façon, là, après, il sera partisan, il sera partant pour une coalition. Et j'aimerais bien justement l'avoir humilié et détruit avant de commencer ma zone ici. De façon à ne pas avoir cette menace de « ils vont se mettre en cour avec le Mamelouk ». Le Mamelouk n'existera plus. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.